Slaughtered like an animal. Fuck me, I don't get it. Who could have done this? Why? Suffit de l'activer. Ok, je fais du café, qui pour veut? Ah, c'est du café moulu maison, les amis. La qualité d'abord, toujours. Lost. I wouldn't be so sure. Did he mention the copies? Should have thought about that before. He already knows more than we wanted him to. Ce boyau, qui pour sortir me fait descendre encore plus loin, apparemment. Moi, je veux bien y aller, mais... Un mec normal n'y irait pas. Et on va pas chercher à comprendre. Et donc aujourd'hui, on va retourner à un endroit, je ne sais plus exactement où, je vais être comme vous, je vais redécouvrir où on en est. Il faut savoir que je suis sorti de grotte maléfique, où il y avait quelqu'un qui avait essayé de me faire la peau, de me congeler même, de me transformer en bâtonnet de poisson vivagel. Ça a été dur, mais j'en suis sorti. Et là maintenant, il faut que je retourne dans ma baraque et que je trouve une salle secrète, ça y est, c'est revenu. Une salle secrète qui est supposée se trouver au-dessus de mon bureau. Alors les chargements sont hyper longs, mais c'est normal. Il y a pas mal de contenu affiché. Et nous revoilà vers la maison. Alors, je pense que je dis pas d'annerie. Oui, trouver les lieux des photos. Alors, j'ai des photos qui sont ici, qui ont été prises à différents endroits. Alors, celui-là, je suis pas arrivé à trouver où c'est exactement, parce qu'il y a un lac apparemment derrière. Et ce lac me dit absolument rien. Et il y a celle-là. Celle-là, c'était devant la maison, hein, on la reconnaît derrière. Et il y a toujours la voiture. À part qu'à l'époque, il y avait un abri. Donc si on se met à l'endroit, on devrait être par ici. Là où il y a le petit truc. Le petit truc machin chose. Et on a à peu près le bon angle, je trouve. D'accord, c'est ça. Hein. Si on compare. Voilà. Et du coup, ça m'en dit pas plus. Alors je pourrais essayer mon appareil diabolique là. Mais je pense qu'il va rien me trouver. Non, peau de balle. Pour l'info, la pièce dans laquelle je dois aller, elle se trouve pile sous mon curseur là-haut. Voilà, avec la petite fenêtre ronde. Je pense que c'est celle-là, parce que là-haut, ça doit être le cellier. Et du coup, pour y accéder, j'ai pas trop d'idées, les amaches. Alors, il y a un truc que j'ai pas tenté, c'est il y a une cheminée dans mon bureau qui est assez bizarre. Ça fait plusieurs fois que je passe devant, elle sert à rien. Je me demande si ce serait pas le moment de lui trouver une utilité. Hop là, oui, je tabasse aujourd'hui. Alors ce tapis, je m'y ferai jamais, je vais dégueuler. D'accord, moi j'avais repéré cette cheminée là. Qui est franchement... This is it. I just need to place the disc in the opening, just like in the picture. Oh, du premier coup, ça c'est bon. Résolver l'énigme près de la cheminée. Qu'est-ce que ça aurait eu? Ce qui se passe la nuit sera jugé à la lumière du jour. Ce qui reste caché dans l'obscurité sera révélé en pleine lumière.
Ok, faudrait que j'éteigne, quoi. Non. Peut-être. Prenons-le. Alors, il faut que je joue avec ça, moi. Oh. Bingo. That was well thought out, Nicholas. On va enfin accéder à cette pièce. Pas si vite. Bah dis donc. Pourquoi j'explose de rire? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont joué à Worms? Oui, bah oui, c'est la Holy Bomb, ça. On dirait qu'elle pourrait rentrer quelque part. Ou dans quelqu'un, on va savoir. C'est une Holy Bomb, je confirme. C'est pas une clé, hein. Non, juste mettre l'apple dans le bon endroit. Alors, aller dans la pièce cachée. Yes, dude, mais je sais pas où elle est du coup. Il y a un truc devant moi que j'ai peut-être pas fait, je sais pas. Objet ajouté à l'inventaire, je sais pas. Où est cette pièce cachée, nom de Zeus? Il m'a parlé d'une photo de sculpture. Mais j'ai pas de photo de sculpture. Hop, 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 si. C'est au Ré, ça, normalement. Retournons vite au Ré. Alors, il y a une sculpture, je l'ai même pas vue, j'ai rien calculé. Quelque part. Ah bah, la voilà. Jesus points at the gate of hell. I don't get it. I don't think I want to. Je peux pas bouger le tableau, je peux rien faire. Désolé, hein, c'est le coup de froid. Il va falloir faire avec mes raclages de gorge violents. Qu'est-ce que tu essayes de me montrer, dude? On dirait que tu as besoin de tenir quelque chose là. Petit coquin là. Est-ce qu'on y va? Bah oui. Alors, je vous rappelle que mon avatar est plus ou moins pété du casque, hein, parce qu'il se trouve que l'histoire, parce qu'il y a plusieurs histoires qui se croisent, mais l'histoire sur l'ancien notable qui était propriétaire de la mine, c'était son père. Et il se trouve que suite aux accidents qu'il y a eu à répétition dans la mine et aux étranges choses qui sont arrivées, il a changé de nom. Et il se trouverait que, ben, ce nom, ce soit le mien, enfin celui de mon avatar. Et donc, je suis son fils. Et son fils est un petit peu pété du casque, de la réputation qu'on a pu en lire. Alors, on a tout vu, un trou dans le mur. Ce que mon père a fait à cette femme. Ok. Donc en plus, s'il y a des histoires de hein, d'accord. Human égale beast. Ok. Et tous ceux que j'ai rencontrés avaient deux visages, un humain et l'autre, celui d'une bête. Ok. Ok, ok. Est-ce que je peux éclairer? Non. Est-ce que je peux scanner? Il n'y a pas grand chose à scanner apparemment. Non, il n'y a rien à scanner. Donc il doit y avoir un gros indice ici.
Ouais, Nicolas a été enfermé dans une pièce sombre par son père et maltraité mentalement. Bah, il était déjà esquinté. Hein. Heureusement qu'il n'était pas seul, mais pourquoi mentionnait-il jamais l'autre garçon dans son journal? Je l'avais dit qu'il était bipolaire, ce gars! Ouh là là, mais il y a beaucoup trop à lire. On va faire ça rapide. Donc le gamin, c'est-à-dire moi, hein, s'est fait un ami imaginaire qui, au fil du temps, est devenu plus ou moins réel. Il y a du langage fleuri quand même. Ça expliquerait pourquoi l'auberge qu'on a précédemment visitée a pris feu. Apparemment, c'est le gamin qui l'a fait. Donc le héros de l'aventure. Il n'y a pas d'autres pages. Ok. Non, mais ça. Pff, ça, non. Il était bien ce bouquin. Allez, poubelle. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à tripaturer par ici, cette croix? Dormir en dessous d'une croix. Les tiroirs. Hein. Vas-y, ouvre-moi ça. Des fois que. Non, que dalle. Bon, il n'y a rien d'autre à faire, c'est étrange. Il sent encore un petit peu. Yark. Qu'est-ce que j'aurais pas vu? Donc. Tout le monde a deux visages. On l'a vu à travers le trou, son père qui s'est fait la bonne femme, ok. Father, mother, son S. Ok. Je vois pas d'autre ce qu'il y aurait à faire. Peut-être ça ouvrir. Pot de bol. On peut pas le prendre, ça? Non. Je vais faire un tour dans la maison. Je vois pas trop ce sur quoi insister. C'est coincé. Il est coincé. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Toi, tu sers vraiment à rien, quoi. Ouais. Hop, dégage. J'ai tout tripoté là. Le petit tableau là-haut. Non. Le chandelier. On s'en fout. Bim. Je vais t'en mettre un de ce bordel, moi, tu vas voir. La chaise. À quoi servirait la chaise? Je la mets sur le lit. C'est sa place. Ok. Cette lampe. Non. Ça, non. Général, on planque des trucs sous les oreillers quand on est môme. Mais bon, lui. Ah, hop, j'avais pas vu ça. Quelle andouille. The man in the mask. Now I know who he is. What's that? Il a dû me basculer dans une autre époque, les tapis ont changé. Si j'ai plus mon tapis dégueulasse. Ah non, je suis toujours dans la même. Someone's at the door. Le shérif. Ah!
chapitre 10. Un petit peu de lecture le temps que ça charge. Ah non, pas les mines encore. What is he trying to tell me? What the hell? Secret of the hides. What did we hide? It creeped out at night. But what? And where? I don't get it. What does it have to do with the missing people and the accident? I must talk to that woman. Especially since the detective couldn't write down her testimony. It's been 10 years. I hope she's still alive. J'espère qu'on va pas encore se faire un tour de labyrinthe dans la mine, parce que on a déjà donné et ça va être triste un peu. Ça me semble bien barré pour, parce que si on me fournit du kérosène pour la lampe, ça veut dire qu'on va y retourner. Je fais un petit tour d'inspection quand même pour être sûr de rien oublier. Y compris ces deux petites réserves qui vont m'être fort utiles. Donc je vais sortir le fameux couplet. Va faire tout noir.